dis à Satan, c'est fini. Tell Satan, it is finished. Jésus m'appelle. Jesus is calling me. Je dois le servir. I must serve him. Salut des âmes, délivrance authentique, guérison miraculeuse en abondance et exaucement des sujets de prière de plusieurs autres. Le Seigneur continue de visiter et bénir son peuple au cours de cette édition 2023 de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui se tient à Atiekwa depuis le 1er juillet. Orienté sur la lutte avec Dieu pour cette 15e édition, comme le pasteur Meignet l'a reçu du Seigneur dans la préparation du programme, des cris sont élevés au Père Céleste chaque jour par le peuple de Dieu réuni, et ce avec insistance et importunité, suivant le modèle de Jacob relaté dans Genèse le chapitre 32, le verset 24 à 29, lequel a lutté avec Dieu et ne l'a pas laissé partir jusqu'à ce qu'il le bénisse. Cet exemple, illustrant de manière pratique la prière d'importunité, est mis en exercice depuis l'ouverture de cette croisade. Aussi, la prière instante du Seigneur Jésus-Christ à Gethsémané est un modèle qui permet au pasteur Boniface Meignet d'établir l'armée des intercesseurs dans l'exercice du type de prière qui déclenche l'action de Dieu et l'amène à libérer son armée pour exécuter ses ordres dans la vie de ses enfants, comme plusieurs visions l'ont confirmé pendant les sessions écoulées. Chaque frère a à cet effet 10 principaux sujets qu'il porte devant le trône de Dieu depuis le début de cette croisade, et des milliers ont déjà reçu l'exaucement et la bonté du Seigneur se manifestant. Chaque jour, des sujets spécifiques sont révélés par le Saint-Esprit pour résoudre des cas que l'intelligence humaine ne pouvait identifier. Le Seigneur Jésus est donc attentionné aux prières de ses enfants élevés à lui au cours de ce programme, et chacun reçoit sa part de visitation à mesure que le programme se poursuit. Tout de suite, il y avait Annie. Quand je venais ici, il y avait Annie. Tout de suite, quand papa dit qu'il a prié pour la maladie, quand il a touché, Annie l'a disparu. Je ne vois plus la prière. Acclamation. Clap offering. Dis maladie. C'est sickness. Maladie. Sickness. Nous te chassons. We cast you. Nous te jugeons. We judge nous you. Te chassons. We cast you. Nous chassons tous les démons. We cast away all the demons. Qui t'accompagnent. Who are following you. Et dans ce élan, le Seigneur ne manque pas de conduire les saints dans les conditions sine qua non pour recevoir l'exaucement des prières, le renversement des idoles personnelles du cœur, le renoncement au moi, fait objet de rappels permanents pendant cette croisade. La parole dit and the word says que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. That everyone is slave of what triumphed of him. Quand tu mens, when you lie, l'esprit qui peut venir te combattre et te battre, c'est l'esprit du mensonge. The spirit who can come to fight against you and overcome you is the spirit of liars. Si tu as un problème de colère, if you are a problem of anger, dans l'armée du diable, ils vont chercher l'esprit de colère pour venir t'attaquer. In the army of the devil, will look for the spirit of anger to come and attack you. Et ceux qui sont vaincus, and those who are overcome, ils vont chercher quel est le démon qui n'est pas encore vaincu. They will look for the demon who is not yet overcome. Et ils vont tous se tenir derrière ce démon-là. And they will all go and stand behind lui, this demon. Lui, il devient leur patron. He becomes the boss. Et lui, il s'avance donc contre toi. And he goes forward et on you. Il est soutenu par ceux qui ont perdu, mais qui comptent sur sa victoire. By those who lost the battle, but count on his victory. Et quand c'est comme ça, and when it's like this, Dieu laisse ce démon travailler. God leave this demon walk. C'est Dieu même qui ouvre les portes pour qu'il vienne t'attaquer. Pourquoi? God himself opens the door so that he may come and attack you. Why? Parce que Dieu n'aime pas les idolâtres. Because God doesn't love idolaters. Toute la Bible. All the Bible. Qui a sa Bible là? Where's his Bible here? Tous ces livres. All this book. Parle d'un seul commandement. Talks about only one command. Qui connaît ce commandement-là? Who knows it? Mais c'est un seul commandement. Quel est ce commandement? To love the Lord your God with all your heart, all your soul and all your strength. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Pas d'idole. No idols. Pas d'autres dieux. No other gods. Le deuxième, c'est aimer ton frère. Et quand tu t'attaches aux idoles, and when you attach yourself to idols, Dieu t'abandonne entre les mains des méchants esprits.
God hand you over the hands of a wicked spirit. Il te livre. He hand you over. Aux méchants esprits. To the evil spirits. Et tu ne peux pas remporter la victoire. And you cannot win the battle. À quelques jours de la fin, on doit commencer à méditer comment protéger les fruits de la croisade. At some days, till the end, we must start thinking on how to protect the result of the crusade. Et la nécessité absolue de faire la paix et de se réconcilier avec Dieu avant les prières est l'une des marques déposées de chaque session. La première chose, the very first one, c'est de permettre à toute personne qui veut se réconcilier avec Dieu de prier d'abord avant que le combat spirituel ne commence. It's to allow any person who'd like to be reconciled with God to pray first before the spiritual warfare starts. Si nous commençons les prières, if we start the prayers, pendant que certains d'entre nous sont dans le péché, while some of us living are still in sin, Dieu ne sera pas content. God will not be happy. La parole de Dieu dit, the word of God says, ce que l'Éternel désire, what the Lord God desires, c'est que le méchant se repente et qu'il vive. Is that the wicked one repents and lives. Donc si nous n'ouvrons pas une porte, if we don't open a door, pour que celui qui veut se repentir se repente, for the one who would like to repent, nous sommes en train de demander à Dieu de partir, de nous laisser. We are telling God to leave us and go. Mais but il ne va pas partir. He will not go. Les pécheurs seront conduits victorieusement à Christ. L'évangile est proclamé aux invités à chaque session et 2600 âmes ont déjà été conduites au Seigneur Jésus-Christ pour les 33 premiers jours écoulés de cette croisade. Venez, venez, venez. Come. Que personne ne te barre la route. Let no one stand in your way. Que le jugement de Dieu, let the judgment of God, frappe Pharaon. Strike Pharaoh. Et que tu sortes victorieux. And that you get out with victory. Que tu sortes victorieux. And that you get out victoriously. Tu sortes victorieux. That you get out victoriously. Jésus a dit, Jesus said, entrez par la porte étroite. Enter through the narrow way. Entrez par la porte étroite. Enter through the narrow way. La porte qui est large. The gate that is le chemin wide, qui est spacieux. And the way that is large, mène à la perdition. Leads to perdition. Passez par la porte étroite. Enter through the narrow way. Passez par la porte étroite. Enter through the narrow way. Passez par la porte étroite. Enter through the narrow way. Passez. Enter. Par la porte étroite. Through the narrow par way. La porte étroite. Through the narrow way. Par la porte étroite. Through the narrow way. La guerre contre les démons et les esprits méchants est au rendez-vous de chaque session. Après avoir élevé des cris à Dieu, les saints se tournent contre toutes les œuvres de l'ennemi, conformément au pouvoir que le Seigneur Jésus a donné à l'Église de pouvoir délier sur la terre, pour que cela soit délié au ciel, et même de déplacer les montagnes, de guérir les malades et de chasser les démons. Au nom de Jésus, même les infirmes, les boiteux, sortez! Get out! Sors et va-t'en. Get out and be gone. Sors et va-t'en. Sors et va-t'en. Sors et va-t'en. Get out and be gone. Nous condamnons tes œuvres. We condemn your works. Nous jugeons tes œuvres. We judge your works. Nous condamnons tes œuvres. We condemn your works. Nous jugeons tes œuvres. We judge your works. Nous jugeons ta présence. We judge your presence. Comme fruit de ces moments intenses de combat spirituel et d'exercice de l'autorité contre les puissances maléfiques, le Seigneur a agi dans plusieurs vies. Tous les 30 premiers jours, les statistiques faisaient déjà état de 2582 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons. 14626 démons et esprits impurs ont été chassés, plus une tribu et un royaume de démons. Et 6994 personnes ont observé le guérison de maladies physiques séance tenante. Come forward. Offre d'acclamation à Jésus-Christ. To Jesus Christ. Que plus de 500 personnes ont reçu le baptême dans l'eau. Il est à préciser que ces statistiques ne sont que ce que l'on a pu toucher, voir et enregistrer. Le Seigneur continue d'agir à cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui se poursuit, notons-le, jusqu'au 9 août 2023.